Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va essayer de découvrir une photographe en à peu près 5 minutes. Julia Margaret Cameron, qui c'est ? Alors c'est une photographe anglaise qui est née en 1815, qui décédera en 1879. Elle est née en Inde, elle a vécu en Angleterre et en France, et elle est décédée au Sri Lanka. Oui, madame a voyagé. Information importante, elle est issue de la bourgeoisie et a même du sang aristocrate français. On va continuer la vidéo, le petit doigt en l'air. Julia Margaret, ça va être à peu près 12 ans de carrière, ce petit doigt va être chiant, et elle va commencer sa carrière photographique à l'âge de 48 ans. Grâce à sa fille qui va lui offrir son premier appareil photo. A l'époque, l'appareil photo était une chambre photographique, donc quelque chose de très imposant et complexe à utiliser. Non seulement par l'objet, mais en plus par toute la chimie que va demander l'argentique. Parce que je le rappelle, on va parler d'une photographe qui a commencé la photo en 1868. 1868. Ça fait loin. Il faut savoir que la première photo qui n'ait jamais été faite date à peu près de 1826 et encore que parfois on a un peu du mal à dater correctement. Ce qui fait que en 1863, là où elle va s'intéresser à la photographie, la photo n'est même pas encore considérée comme un art. Putain, j'ai du mal avec la prononciation aujourd'hui. Julia Margaret, c'est un cliché d'épouse victorienne, ce qui fait que la culture fait partie de ses attributions dans un couple, et notamment un couple grand bourgeois. Aussi, le fait qu'elle ait vécu à droite à gauche, qu'elle ait pas mal bougé, et qu'elle ait commencé la photographie vers 48 ans, fait qu'elle est sûrement empreinte d'un souffle d'indépendance. De plus, son âge va vraiment la libérer de contraintes et des obligations d'une jeune femme. Son statut de bourgeoise fait qu'elle va avoir accès très facilement à l'élite. En fait, intellectuelle de son pays. Mais surtout, elle a la thune de sa passion, de son art. Parce que la photographie à l'époque, ça coûtait une blinde. Oui, certes, ton boîtier à 5000 euros, t'as l'impression que ça douille. À l'époque, c'était encore plus cher. Notamment, ce qui fait que c'était extrêmement cher et en plus très contraignant à produire, c'est qu'elle utilisait le collodion humide. Le collodion humide est une pratique de création photographique qui est extrêmement complexe, et entre le moment où l'on crée la surface sensible de collodion humide et au moment où on doit l'exposer, puis la développer, la fixer, etc., on a une marge de manœuvre d'à peine 30 minutes. C'est très complexe, ce qui fait qu'elle ne va travailler qu'en studio. Il faut savoir que le collodion humide est considéré comme l'une des techniques les plus contraignantes de toute l'histoire de la photographie, et qu'elle a été inventée en 1851. Encore une fois, nous parlons de bourgeois, ce qui fait qu'elle a pu utiliser sa cave comme développement argentique, préparation de collodion humide, et la serre comme d'un studio, avec la lumière naturelle. Il faut savoir qu'à l'époque, les photographes étaient principalement des techniciens, des chimistes. Elle, la technique, elle va s'en battre les reins, pas forcément, mais elle a appris juste ce qu'il lui fallait pour pouvoir produire des images toute seule, parce que l'utilisation du flou était quelque chose qui lui allait et qu'elle a pu utiliser dans beaucoup de ses œuvres. Aussi, chose très importante, elle s'inscrit dans le pur courant pré-raphaélite. Elle en sera indissociable et fera même partie de la confrérie qui se dit pré-raphaélite. Mais avant tout, qui sont les pré-raphaélites ? Les pré-raphaélites, c'est un mouvement pictural comportant aussi des poètes et des écrivains. Ils souhaitent résolument briser les contraintes de conventions victoriennes en revenant à une peinture d'avant Raphaël, peintre du XVIe siècle. Ce mouvement, c'était THE scandale dans l'art anglais en 1850. Les pré-raphaélites veulent un retour au motif, à l'observation, au dessin d'après modèle, plutôt qu'à l'idéalisation académique, entre guillemets. Cela fait d'eux d'excellents dessinateurs, obsédés du détail. Mais le scandale, c'est qu'ils appliquent le réel dans le sacré. Ils vont essayer de rapporter quelque chose de réaliste, de concret, de tangible, dans ce qui est censé être divin. L'Église, ça a dû à peu près se passer comme ça. Comment ? Du réel dans le sacré ? Et malheureusement, la société victorienne, ultra-conservatrice, va briser ce mouvement en à peu près une dizaine d'années. Par critiques acerbes, menaces, intimidations, plus il y aura des histoires de fratricide, de fesses. Et ça, la confrérie, c'est ciao. Julia Margaret ne fera pas concrètement partie de la confrérie, mais elle sera proche de pas mal de membres, et ce qui fait qu'elle va pouvoir s'intéresser énormément à la mythologie, au portrait et à la littérature. Ce qui fait que son travail est principalement tiré de deux choses. Putain, j'aurais dû te biper. Des portraits, photographies de ses proches, de ses amis, et des créations d'inspiration picturale et de l'onirisme. Comme elle ne dissociera jamais vraiment ces deux choses, elle va emmener sa famille dans des créations oniriques. Avec son manque de technique mais sa création, finalement, ses photos vont être un pur mélange de quelque chose de réel et en même temps de fantasmé, d'étrange. On a l'impression de baigner dans quelque chose. Les flous qui ne sont pas forcément correctement placés mais qui apportent des formations sur les visages ou son travail sur le décor, ça va nous apporter quelque chose qui est en même temps intemporel et en même temps paraît très vieux, très ancien. Et c'est quelque chose en fait que j'aime énormément chez elle. Julia Margaret va avoir une approche qui est plutôt psychologique du portrait. Elle va s'intéresser à dégager une émotion, un sentiment. Après, le fait qu'elle connaisse personnellement les personnes qu'elle prend en photo va sûrement jouer énormément dans le fait qu'elle va réussir à retransmettre ça, car c'est
personnes vont être sûrement plus à l'aise, vont lui permettre plus de choses, etc. Aussi, le flou que l'on peut voir dans la plupart de ces photographies est dû à la longue pause. À l'époque, on ne pouvait pas shooter à une vitesse très importante, ce qui fait que les personnes devaient être immobiles et souvent un micro-mouvement pouvait apparaître comme extrêmement flou à l'image. De plus, le fait que le centre de l'image soit le plus proche du net et que le flou se propage autour était un pur effet plastique décidé. De plus, elle va exacerber cette émotion-là, cette sensation-là, cette image-là par l'éclairage de sa serre et en retravaillant ça dans la position de ses modèles ou autre. Une des grandes preuves d'intelligence de cette femme, Julia Margaret, c'est qu'elle va flirter énormément avec la limite entre la photo et la peinture, sans jamais vraiment traverser ça, ce qui fait qu'elle ne s'attirera pas les foudres des peintres de l'époque. Ses scénettes vont comporter généralement de 1 à 3 personnages, rarement plus, le tout dans un décor quasiment absent. L'ensemble va dégager un intimisme éthéré et ressemble plus à une esquisse, une étude d'une œuvre en soi. Ce qui ajoute encore plus à l'aspect insaisissable des personnages et situations. Il est souvent difficile de donner un statut clair aux images qui nous restent d'elles, à la fois photosouvenir, à la fois figure allégorique, échappée d'un tableau plus vaste mais disparu. Elles restent suspendues dans l'interprétation, ce qui convient parfaitement à la beauté intemporelle que cherche à produire Cameron. L'enfant détendu aux ailes repliées de High Weight, sa photographie la plus connue, l'illustre parfaitement. Aussi, elle aurait fait, pour moi, un des plus beaux portraits de John Herschel. Je sais pas du tout si j'ai prononcé correctement, mais bon, tant pis. Désolé. Malheureusement, la fin de son œuvre va coïncider avec la ruine des Cameron. En repartant vers le Sri Lanka, Julia Margaret ne va plus avoir accès aux grands penseurs. Elle sera coupée du milieu stimulant de la bourgeoisie, de la culture. De plus, elle ne retrouvera pas facilement le matériel chimique qu'elle avait besoin pour produire ses photographies. C'est ainsi qu'elle va s'éteindre en 1879 à l'âge de 64 ans. Et ensuite, il va falloir attendre le début du 20e siècle pour que les pictorialistes redécouvrent son travail. Ils verront en elle, en fait, une artiste précurseur du pictorialisme qui a su surpasser la technique pour pouvoir apporter quelque chose par la photographie, à insuffler une qualité personnelle à ses photos. Julia Margaret Cameron est reconnue aujourd'hui comme une des artistes pionnières de la photographie. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que ça fait à peu près 5 minutes, que vous avez découvert quelque chose, que vous vous rendez compte que la photographie n'est pas forcément une affaire d'homme, qu'il y a eu de très belles choses et que cette personne-là a permis de faire évoluer la vision ou l'utilisation de la photographie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou à partager la vidéo, ça me donnera de la visibilité, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un photographe à découvrir à peu près 5 minutes. Ciao.